Okay, de retour sur Vacarme, je suis avec Apex juste après ce match de folie contre Team Liquid, un marathon victorieux. Bon alors, on aime se faire peur chez NG apparemment. Totalement là, totalement. C'était vraiment tendu. Bon, alors on va revenir un peu sur la game. Vous faites un très bon début de match, vous menez je crois 11-4 au changement de side. 9-6, ouais, pardon, 9-6 au changement de side, donc un bon side terreau. Et après vous prenez un V5 je crois de JDM à la WAP, donc un gros round. Et de là, un énorme comeback, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bon voilà, comme tu dis, on entame vraiment bien side terreau, on fait 9-6, même si on fait quelques erreurs, bon side en général, on met le pistol CT, et on arrive à 15-8. Et à 15-8, bon, on prend un V5, on se donne complètement, on a failli vraiment choke la game. Et après, bah, c'est compliqué, quoi. Les mecs ont la confiance qu'ils viennent de gagner un V5, on n'arrive pas à tenir les BP et on se fait retourner, donc c'était assez compliqué. Après, voilà, si on avait vraiment gagné 16-8 au moment où OCDM fait le 1v5, j'aurais été plutôt satisfait parce que ça aurait été une belle game, overall, on aurait dominé le match. Là, on a eu quand même pas mal de soucis à se faire. Content de mon 1v3, déçu de ma performance au total, au final. Match très compliqué, je pense qu'on était très bien, on était en train de mener. On a trop un 1v5 jean des plus mauvais. Et après ça, on n'a pas réussi à sortir la tête de l'eau. On est revenu en overtime et je suis juste très content de notre performance. Je crois pas que vous avez utilisé trop de time-out au niveau de la remontée. Pourquoi? Bon, parce que c'était... Enfin, on était assez... comment dire? On était assez, pas serein, mais on était assez calme, assez posé pour réfléchir pendant le freestyle, parce qu'il y a comme 20 secondes de freestyle, et quand on mourait, donc il n'y avait pas de solution révolutionnaire au final, on a juste voulu parler, on en a pris quelques-uns à des moments opportuns, mais sinon, ouais, on a juste voulu essayer, on a quand même pas mal parlé au niveau du freestyle, mais bon, on n'a pas trouvé de solution, et voilà. On a vu Enkiji, donc votre coach, vous parlez pas mal, qu'est-ce qu'il vous dit un peu dans ces moments-là? Bah, en gros, c'est pas notre coach, c'est plus notre analyste. Donc il connaît beaucoup les équipes, etc. Donc il nous disait que souvent, quand ça se passe comme ça, il va se passer ça, etc. Donc il nous donnait des petits tips à ce moment-là de la game, quoi, tout simplement. Donc là, vous venez de gagner, G2 aussi, il y a 1-0 pour les deux équipes françaises, donc un très bon départ. On va revenir un peu avant, donc c'est vrai que vous n'avez pas eu le temps de trop vous préparer, il n'y a pas eu de bootcamp, vous avez été en voyage. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a manqué de ne pas avoir fait un bootcamp comme la plupart des équipes ici? Est-ce que vous n'avez pas eu le temps de prac plus que ça? Alors en fait, on a eu quelques petits soucis parce que, comme tout le monde, on a pris un peu de vacances pendant l'hiver parce qu'on en avait vraiment besoin, donc on a pris une semaine. En revenant, on a commencé à prac, mais Vincent a eu des petits soucis de poignet en fait, donc ça s'est pas su, mais voilà, je pense que je peux en parler. Des petits soucis de poignet, il s'est fait faire une infiltration au poignet, donc c'est des grandes aiguilles, etc. Donc il a pas pu jouer pendant 4 jours avant WEG. Donc au final, on a fait 6 maps de prac en janvier. Pour WEG, on a fait que 6 maps de prac, donc c'était chaud quoi. Mais avec WEG, ça nous a quand même fait un entraînement pour le Major, il n'y a rien à dire. Même si on est un peu, on comprend pas trop ce qui se passe avec le jet lag, puisqu'on est rentré en France et puis reparti de l'autre côté, donc ça fait un peu, on est un peu fatigué. Mais je pense que WEG nous aura servi, dans tous les cas, plus que des pracs sur Internet. Parce que comme à l'heure actuelle, voilà, on n'est pas à notre meilleur niveau, je pense que c'était la meilleure façon de se préparer. Alors tu parlais des WEG, un petit mot là-dessus, c'est vrai que c'était une compète... Tier 3, on va dire, moins, voire même moins, et pas trop d'équipes dans le top 30. Ouais. Bon, tier 2 si tu veux. Bon, en tout cas, il y avait beaucoup de cash. C'était une compète que vous devez gagner, vous l'avez gagnée, mais c'était vraiment un couteau front, notamment cette demi face à Space Soldier. Est-ce que tu peux revenir juste un petit mot sur cette demi? Alors, déjà, pour revenir sur la demi-finale, alors en gros, on se prend une grosse claque sur cash. On perd, je pense, 5-2 V1, enfin des trucs terribles. Donc ensuite, on passe sur Kubble. Et on fait un side assez correct le premier side et après on commence à se faire dominer et on est remonté grâce à que des actions individuelles, donc Nathan, Vincent, Kenny, moi, Six, qu'on fait tous de grosses actions individuelles et ça nous a vraiment permis de remonter. Oui, c'est une bonne équipe,
depuis qu'ils sont avec Majeur, je pense qu'ils ont un peu step up quand même. Ils ont des joueurs très forts individuellement, je pense surtout à Xantares et Paz, qui sont deux joueurs qui, niveau skill, faut pas les louper. Hein, je vous le dis, ça part très vite. Au niveau des headshots, ces mecs-là, ils jouent 150 heures tous les deux semaines, ils font 5000 frags de DM par jour. J'exagère, mais c'est vraiment abusé. Donc c'était chaud, 2-2 pareil. Je pense que 2-2, c'est aussi un super comeback parce que on fait 6-9 en terreau, on prend le GR, on est à 12-6, on fait pas tomber énorme qu'on est écho, ça veut dire que l'équipe en face, ils ont aux alentours de 8K avec déjà des armes, et on arrive à gagner 16-14. Franchement, cette remontée, elle était assez folle, et encore une fois, de grosses actions individuelles de notre part. Kenny qui met un V2 vraiment trop important, ce genre de runes qui nous ont mis vraiment bien. Et voilà, donc la demi, c'est vrai que c'était la game la plus chaude de la LAN, même le quart par rapport à la finale. Mais on était vraiment contents d'avoir passé cette étape parce que vraiment c'était chaud. Juste, je voulais avoir un mot aussi sur. T'as joué contre Majeur, contre Space Soldier au WG en demi-finale. Est-ce que c'était particulier de jouer contre lui après tant d'années à jouer ensemble ? C'était compliqué. On va dire que c'est la première fois que je joue Majeur. C'est vrai qu'ils ont franchement très bien joué. Je trouve que globalement, ils avaient l'avantage sur nous, sur plusieurs maps. C'est juste que c'est une nouvelle équipe, c'est des joueurs, c'est des nouveaux joueurs. Ils n'ont pas réussi à finir mettre le score à 16, et tant mieux pour nous. Un objectif, est-ce que vous êtes fixé un objectif pour ce Majeur ? Est-ce qu'on essaye vraiment d'arriver en quart et on voit après que du bonus ? Vu le niveau actuel qu'on montre, qui n'est pas flamboyant, mais je pense qu'individuellement, on a quand même. On step up tous depuis un petit moment, donc je pense que ça peut faire quelque chose. Après, voilà, à l'heure actuelle, comme tu l'as dit, je pense que l'écart, c'est l'objectif principal de l'équipe, parce qu'on n'est pas, fou, mais on n'est pas non plus des gros nobles, donc on veut vraiment passer en quart. Parce que bon, ça fait, ce que je disais avec Vincent, ça fait un an qu'on n'a pas gagné de match en Majeur, hein, ça faisait un an. Parce que le dernier, c'était à Cluj, parce que MLG et Cologne n'ont pas gagné un match. Donc j'espère que ça va nous donner un peu de motivation, c'est toujours un énorme tournoi, on attend tout ça depuis 6 mois de rejoindre Majeur, et je pense qu'on va tout donner pour arriver en quart, et c'est vraiment l'objectif principal de l'équipe. Voilà. C'est ton premier Majeur, est-ce que tu ressens une pression différente, est-ce que tu ressens plus de pression, est-ce que tu sens une ambiance différente, sachant que là c'est les mêmes conditions que la qualif, mais est-ce que tu ressens quand même une différence au niveau de la pression peut-être sur tes épaules que tu ressens ? Après j'ai fait beaucoup de tournois dans ma vie. Je pense pas avoir de pression plus ou autre, on a juste plus envie de gagner, encore plus que jamais parce que c'est un Majeur, mais sinon, comme d'hab. Je te laisse le petit dernier mot, si tu as des petits remerciements à faire. Alors, je sais que, je lis un peu tout, on est un peu critiqué en ce moment, oui, on ne joue pas super bien, mais ceux qui nous soutiennent, continuez, parce que c'est vraiment important, et les gens ne se rendent vraiment pas compte à quel point la communauté peut faire du mal, faire du bien, à l'inverse. Et je veux vraiment que les gens continuent à nous supporter et qu'ils donnent le best parce que vraiment, on apprécie beaucoup ça, surtout de la communauté française. La communauté européenne, c'est pas pareil, mais les Français qui soient derniers nous, c'est vraiment important. Donc continuez à nous supporter, donnez le best derrière votre PC, criez pour nous. Et voilà, quoi, c'est tout. Même si on a failli se roll à Games, et je pense que si on perdait le game, on serait fait beaucoup insulté. Mais au final, juste continuer à nous supporter et donner le best. Voilà.